Antoine, Vinyl Records Makers, donc c'est une boîte en fait donc de pressage de vinyle qu'on a commencé donc avec Sylvain. Donc on a démarré le projet en 2017 et on a réellement commencé à produire des disques en 2018. Donc là, ça fait 3 ans et demi qu'on tourne. Et en fait, on s'est un peu lancé sur cette activité du fait qu'on constatait qu'à l'époque, beaucoup de groupes et de labels indépendants avaient quelques difficultés à trouver un prestataire qui pouvait donc sortir des disques dans des délais, on va dire, raisonnables. Et au final, aujourd'hui, on a beau être plusieurs acteurs sur ce marché, et ça ne suffit toujours pas à compenser, on va dire, la demande. On vient déjà en fait justement de la musique aussi, on a joué dans différents groupes, on est nous-mêmes collectionneurs de disques depuis une vingtaine d'années presque. C'était un peu logique au final pour nous de se lancer sur ce projet. Alors, actuellement, donc nos délais sur un pressage, on va dire, standard, on est aux alentours de 16 à 20 semaines. Donc du fait des problématiques qu'on rencontre aujourd'hui sur les matières premières, notamment, donc tout ce qui est impression aussi, qui nous pose beaucoup de problèmes aujourd'hui, puisque c'est un des postes qui prend le plus de temps. On met presque 3 mois à recevoir donc les pochettes des projets sur lesquels on travaille. Notre base de clientèle est vraiment axée sur les labels indépendants, aussi bien donc en termes de musique, hein, on va aller du rap donc jusqu'à quand même essentiellement beaucoup de métal. Et tout ce qui tourne autour. On travaille beaucoup sur des productions qui sont entre 300 et 500 exemplaires, jusqu'à 1000. Donc avec beaucoup de projets souvent quand même assez poussés esthétiquement, donc beaucoup de recherches visuelles, de couleurs aussi. Donc clairement, nous, on sort aujourd'hui un disque sur deux et qui sort ici en fait est en couleur, donc splatter, marbré, etc. Puisqu'il y a une énorme demande à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, on est confronté à pas mal de problématiques. Donc à savoir que les volumes de commandes ont plus que triplé en un an. Hein. On voit bien la différence comparée à l'activité qu'on avait donc voilà, automne, hiver dernier. Comparé à aujourd'hui, on a 3 fois plus de commandes, sachant que justement on a de grosses problématiques d'approvisionnement en matières premières. Ça touche à peu près tous les postes, donc à savoir les impressions, mais aussi donc la matière première qu'on utilise ici, donc le PVC, où là ça reste un dérivé du pétrole, même s'il est recyclable à 90%. Il y a des disques malheureusement qu'on a pu sortir qu'au bout de presque 6 mois parce que notre fournisseur n'avait pas la couleur demandée initialement. Donc ça, c'est quelque chose avec lequel on se bat un peu au quotidien pour essayer de lisser tout ça. Mais bon, c'est pas évident parce que même nos fournisseurs n'ont pas spécialement de visibilité, eux, sur ce qu'ils peuvent avoir ou pas au moment où nous, on le demande. Donc alors, en ce qui concerne donc, toute la partie graphique, visuelle, pochette, donc là en l'occurrence les acteurs de l'ombre, en général on a toujours des objets très soignés avec des visuels qui sont quand même plutôt super bien finis. Donc là on a un livret avec du Pantone. Donc ça c'est des choses qu'on fait assez régulièrement pour les acteurs de l'ombre. À savoir que tout ce qui est emballage justement c'est des choses qu'on fait à la main. Donc c'est des choses qui sont assez chronophages, à savoir que voilà bon c'est toujours très basique hein, l'insertion. Au niveau des finitions, donc on propose pas mal de choses, donc du Pantone effectivement. Donc là sur ce disque là, donc on a une finition en carton retourné, donc qui donne un aspect un peu plus rugueux, un peu plus costaud aux pochettes, avec donc du Pantone aussi. Donc pour fabriquer un disque, nous ça se passe de la manière suivante. Donc le client, donc le groupe, le label nous envoie donc tous les fichiers, les visuels, le son. Donc on va dispatcher ça en fait à nos différents sous-traitants, donc à savoir l'imprimeur pour toute la partie graphique, visuelle, etc. Et donc on va envoyer les fichiers son donc à un graveur qui va donc reproduire donc le signal sonore donc sur cet objet qu'on appelle une laque. Nous on travaille que sur laque. Il y a deux procédés pour ce qu'on appelle donc la gravure. Il y a le DMM, le Direct Metal Mastering, et la laque. Nous on a une grosse préférence pour la laque. C'est un peu plus chaud sur le rendu final. Il y a un peu plus de dynamique en général que sur le DMM.
L'avantage du DMM, c'est qu'on peut faire des phases plus longues. Mais voilà, nous on préfère quand même travailler sur la laque. Donc le graveur va tout simplement donc poser la tête de gravure de sa machine à l'entrée donc de la laque. Il va reproduire donc le signal sonore. Donc de cette laque va être ensuite expédiée à un autre sous-traitant qu'on appelle donc la galvanoplastie. Donc ça se présente un peu de cette forme-là. C'est tout simplement un négatif donc, qui est tiré donc de la gravure. Donc c'est du nickel et de l'argent, solution de nickel et d'argent qui est projetée à grande vitesse donc sur la laque. Et ensuite donc sur une deuxième étape donc il va y avoir une électrolyse qui va donc durcir toute la matière. Et à l'issue, ça donnera donc ce qu'on appelle nous vulgairement ici un stamper. Nous on va avoir la matière première. Donc là bah, par exemple du blanc, du noir. Donc ça se présente sous cette forme hein, qui n'est pas très esthétique. Hein. Donc ça va être écrasé donc littéralement dans la presse, il y a 100 tonnes de pression dans la presse, donc toute la matière va se répandre donc sur le stamper, va venir remplir en fait donc le sillon, et à l'issue donc on a le disque final. Donc de la même manière, ce qu'on appelle donc les macarons, donc voilà, hein, c'est du papier, tout ce qui est plus simple, et ça en fait donc ça c'est thermoformé, c'est-à-dire qu'on va les positionner sur la presse. Et donc le macaron est incrusté littéralement donc, dans la matière première, dans le PVC. Donc alors avant d'obtenir évidemment donc, ce matériau, donc ça en fait c'est livré, ça nous est livré sous la forme de granulés. Ça passe donc dans une extrudeuse, donc une vis sans fin qui chauffe la matière, donc aux environs de 140-145 degrés. Et donc quand la matière sort de l'extrudeuse, évidemment elle est souple. Et donc par l'action de la presse, ça se transforme, voilà, je donne un disque à l'issue. Pour obtenir ce résultat, là par exemple donc sur le disque là, du corpus Diabolis, donc on a mélangé tout simplement donc du gold, voilà, ça se présente sous cette forme là, granulé de gold et de noir, donc le résultat il va tout simplement découler de la quantité de matière qu'on va mettre donc dans l'extrudeuse. Après il y a des process qui sont un petit peu plus compliqués, qui peuvent être un peu plus chronophages, comme le splatter par exemple, où là on va avoir une base de couleurs qui sera définie, et le splatter ce sera tout simplement donc cette matière là qu'on va faire chauffer donc séparément donc du process, et on va tout simplement venir donc prendre le cake de matière première qu'on va tout simplement tremper dans du granulé, et après rebelote pareil, ça passe aussi dans la presse, voilà, mais ça c'est un peu plus, ça met un peu plus de temps à se faire. Voilà, mais globalement, ouais, c'est à peu près c'est ce qu'on fait ici. Hein. Splatter, couleur, disque noir, évidemment.